Salut à tous, c'est Luna, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super. Voici une nouvelle nichée des bébés Perura. Ils sont trois. Je vais faire les présentations juste après. Mais là, regardez le papa, il est là. C'est Yo-Yo. C'est un bébé que j'ai gardé de l'année dernière avec sa petite femelle qui est juste à l'entrée. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, elles sont vraiment sympas, cool. Donc voilà, on va interagir avec les bébés dans un premier temps pour faire les présentations et par la suite avec les parents. Allez, à tout de suite les amis. Et voici en dehors du nid, donc je vais commencer les présentations par le petit dernier. Donc c'est un turquoise, tout mignon. Voilà, il est vraiment adorable, avec plein de duvet encore. Donc voilà. Alors, je continue avec la deuxième qui est là, elle veut fuguer. Je vais l'attraper, allez viens là. Elle est vraiment bien réveillée celle-ci. Bon, pour le sexage, j'en sais rien, ils sont pas sexables au nid, mon couple ne le permet pas, enfin ne permet pas le sexage au nid. Donc cette fois-ci, je dois faire un sexage ADN d'ici peu, enfin dès que le plume sera là. Donc voilà les amis, un peu de patience. En plus, elle est violette. Donc voilà, voilà. Elle va être vraiment sublime. Et on termine avec le premier de la nichée, qui est turquoise opaline violet. Et je peux vous dire que le gabarit, niveau gabarit, je suis vraiment servi. Je pense que c'est un mâle. Bon, ça reste une supposition. On attendra le sexage ADN, comme je l'ai dit juste avant. Donc voilà les amis, c'est vraiment un vrai régal. Donc voilà, on a terminé les présentations. Donc je vais interagir avec les parents à l'intérieur de leur volière et on va voir ça. Comme ça, vous pouvez voir que les parents sont vraiment sympas et ça m'aide vraiment pour manipuler les jeunes. Et comme ça, l'apprivoisement sera top. Donc voilà les amis, à tout de suite. On va voir les parents. Allez, recule-toi. Je sais que tu veux fuir, toi. Allez. Allez, viens, mon copain. Allez. Bravo, Yo-Yo. Il est vraiment cool. Et sa femelle, c'est une vraie EPP qui n'a jamais été manipulée. Bah, elle est pas née chez moi. Donc voilà, mais quand même, elle est vraiment sympa. Elle vient aussi sur la main, mais bon. Elle a besoin un peu de temps. Mais Yo-Yo, franchement, il m'impressionne. Il garde son apprivoisement depuis l'année dernière. Malgré qu'il est en couple. C'est extraordinaire, mon Yo-Yo. Donc voilà, il est papa maintenant. Je suis fier de lui. Il va me faire des beaux bébés. Enfin, ils sont déjà beaux. Donc voilà, voilà les amis. Donc voilà, couple en reproduction qui est vraiment sympa. Et ça va vraiment m'aider pour l'apprivoisement des jeunes. Donc voilà, ça c'est un bonus pour moi. Donc voilà les amis. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Tchuss. Tiens, Yo-Yo, c'est là, c'est la pomme. Voilà, c'est bien. Franchement, il fait pas du tout mal. Hein. Tiens. Bravo, Yo-Yo. Regarde l'autre. Tous les maillots sont bons pour prendre de la pomme. Allez, les amis, sur ce, je vous dis à bientôt. Tchuss.